Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui afin d'aborder le dossier 17, les préparations à la vente. Nous allons voir les différentes notions et étant donné que nous sommes en confinement et que nous ne puissions pas nous voir en cours en temps normal, donc nous allons essayer de travailler ensemble à distance. Donc je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt. Dossier numéro 17. Dossier numéro 17. Connaître la préparation à la vente, partie 1. Capacité à atteindre. Distinguer les différentes appellations commerciales des morceaux. Effectuer une veille réglementaire sur l'information du consommateur. Citer les règles d'étiquetage en vigueur suivant les formes de commercialisation. Énumérer les mentions obligatoires et facultatives de l'affichage et de l'étiquetage. Différencier les mentions relatives aux durées de conservation pour les matières premières et les produits élaborés, DLC et DDM. Distinguer les techniques de conditionnement complémentaires à l'action du froid sous vide pré-emballage. Indiquer la périodicité de la vérification des instruments, le service compétent et la nature du document attestant cette vérification. Identifier les étapes de la traçabilité des viandes. Justifier les documents à conserver dans le cadre de la traçabilité. Alors, dans un premier temps, nous allons voir la capacité 1, distinguer les différentes appellations commerciales des morceaux. Donc, vous connaissez généralement l'ensemble des morceaux. Donc, nous allons revenir essentiellement sur la découpe de gros primaire. Par exemple, nous allons voir le collier, 7 vertèbres cervicales, veine maigre ou deuxième talon, veine grasse, plus griffe, plus saignée. La basse-côte, 5 vertèbres dorsales plus 5 côtes traitées, le persillé, les entrecôtes découvertes, le premier talon et filet mignon. Généralement, on appelle ce morceau le collier basse-côte. Donc maintenant, voici l'épaule. L'épaule levée en raquette, donc c'est-à-dire levée en raquette, ça veut dire que le bateau n'est pas sur l'épaule. Elle est composée au niveau de l'ossature du scapulum, l'humérus, radius, cubitus et carpe. Il y a en muscle le dessus de palette, le merlan, le paleron, le jarret avant, la macreuse à pot-au-feu et la macreuse à bifteck, le jumeau à pot-au-feu et le jumeau à bifteck. Le train de côte. Alors, le train de côte, la difficulté du train de côte, c'est que on a du mal à se rappeler que le train de côte, en fait, c'est la basse côte plus le milieu train de côte, donc le carré de côte à 5 côtes. Donc ce qui donne le train de côte 10 vertèbres dorsales plus 10 côtes, l'entrecôte découverte basse côte avec 5 vertèbres dorsales plus 5 côtes persillées et le premier talon, le filet mignon ou chaînette. L'entrecôte couverte milieu de train de côte avec 5 vertèbres dorsales plus 5 côtes. Alors l'entrecôte couverte, c'est aussi ce qu'on appelle la côte de bœuf. D'accord? Nous avons actuellement l'aloyau. L'aloyau est composé de 3 vertèbres dorsales et 3 côtes, 6 vertèbres lombaires, et au niveau de la hanche, du sacrum et de l'ilium. Au niveau des muscles, on va avoir le filet, le faux filet, le ramsteck avec aiguillette de ramsteck et aiguillette baronne. Le déhanché, c'est-à-dire filet faux filet avec os, et la hanche, le ramsteck, l'aiguillette de ramsteck et l'aiguillette baronne. Le caparaçon, il comprend le panneau et le pis. Aujourd'hui, on parle plus facilement de arrière de caparaçon, le jeu de bavette, le milieu de caparaçon, le plat de côte couvert et l'avant de caparaçon, le plat de côte découvert. Mais on peut aussi le décomposer en panneau et pie. Donc la composition de l'ossature, c'est 7 vertèbres sternébrales et 13 côtes traitées. Le panneau, lui, il comprend les plats de côte découverts et couverts et le jeu de bavette. Composition de l'ossature, les 13 côtes. Le pie, il comprend le gros bout de poitrine et le milieu de poitrine, le tendon et le flancher. Composition de l'ossature, les 7 vertèbres sternébrales. Le BCU, la cuisse boule cuisse.
la cuisse BCU, ossature, symphyse pubienne, ischium, fémur, rotule, tibia et les tarses. La face externe de la cuisse, on peut trouver la tranche, appelée autrefois tranche grasse, composée du rond de tranche, du plat de tranche et du mouvant. L'ensemble des gîtes à la noix, composé du gîte noix et de son oreille, du rond gîte et du nerf gîte avec son plat. La face interne de la cuisse, le tendre de tranche, composé de la tranche à rôtir, de la poire, du merlan, du dessus de tranche, de l'araignée et de la fausse araignée. Et nous avons aussi le jarret et la queue. Alors ici, on a le schéma de la demi-carcasse du bovin adulte avec la face interne, l'intérieur de la bête, et la face externe. Nous allons essayer de localiser l'ensemble des morceaux sur les deux faces. Donc, nous allons avoir le tendre de tranche qui se situe sur la face interne, comme on a pu voir tout à l'heure, de la cuisse, qui n'est pas visible à l'extérieur. Nous avons la hanche qu'on peut voir aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur. La queue, bah, il n'y a que la queue. Le faux filet, à l'intérieur, il est facile de le voir car on aperçoit le filet. Et puis, on peut compter les vertèbres lombaires. Et à l'extérieur, on peut le situer en haut du dos, là, près de la hanche. Nous avons après le milieu de train de côte qui se situe juste après le faux filet. Nous avons la basse côte. Hein, je vous rappelle que le milieu de train de côte plus la basse côte, ça fait le train de côte. Donc 10 côtes plus 10 vertèbres dorsales, les trois autres vertèbres dorsales étant sur le faux filet. Nous avons la veine maigre et la veine grasse. Alors pour bien distinguer la veine maigre de la veine grasse, il faut se rappeler que la veine grasse se situe au niveau de la saignée. Nous avons après le jarret arrière, la tranche qui se situe à l'opposé du tendre de tranche, le filet, on le voit essentiellement à l'intérieur de la cuisse, les flanchers, nous allons les retrouver dans les deux cas, le jeu de bavette qui se situe juste à côté du flancher, le tendron, le plat de côte couvert, le milieu de poitrine, le plat de côte découvert, le gros bout de poitrine, l'épaule et le jarret avant. Et il ne reste plus que l'ensemble des gîtes à la noix. Nous allons aborder maintenant la demi-carcasse du jeune bovin, donc c'est-à-dire du veau âgé de moins de 8 mois. La nomenclature musculaire du veau, il y a le BCUH du bœuf devient le cuisseau de veau, avec en 1 la crosse qui correspond au tarse, en 2 le jarret arrière qu'on appelle aussi osso bucco, en 3 on a le cuisseau raccourci, donc c'est-à-dire le cuisseau moins la hanche, dans le veau ça va être moins le quasi. Je vous rappelle que la noix de veau correspond au tendre de tranche dans le bœuf, que la sous-noix correspond à l'ensemble des gîtes et la noix pâtissière à la tranche, tranche grasse. Le quasi en 4, l'équivalent de la hanche, 6 les côtes filets et en 5 le flancher, ça nous donne la longe de veau, 7 le tendron, 8 le haut de côte, 9 côte couverte, côte première et côte seconde, garde carré couvert. 10 les poitrines, 11 l'épaule, 12 les côtes découvertes ou bas carré ou entre côte seconde. 13 le jarret avant qu'on peut aussi appeler osso bucco. Et 14 on finit par le collier. Donc après le veau, nous abordons l'ovin, le jeune ovin, donc l'agneau âgé de moins de 12 mois. La nomenclature musculaire de l'agneau est composée
en 1 du gigot raccourci et en 2 de la selle. Les deux réunis nous donnent le gigot entier et les deux gigots nous donnent la culotte. En 3, nous avons les côtes filées. Lorsqu'elles sont doubles et qu'on la rajoute à la culotte, on obtient un baron. Le baron plus en 4 les côtes ou côtelettes première et côtelettes seconde nous permet d'obtenir un roast beef court. En 5, on a les hautes côtes. En 6, on a la poitrine. En 7, les côtes ou côtelettes découvertes. En 8, l'épaule. En 9, le collier entier. Le collier entier plus les deux épaules, on obtient un papillon. Le papillon avec les côtes découverte, la poitrine, la haute côte, on obtient un casque. Et je vous rappelle que le roast beef court plus le casque nous donne une carcasse entière. Nous pouvons aussi obtenir un baron plus un coffre pour avoir une carcasse entière. Hein. Nous allons terminer avec le porcin, donc c'est-à-dire le cochon, la nomenclature musculaire du porc. 1. Pied arrière, 2 jarret ou jambonneau arrière, 3 c'est le jambon composé de la noix pâtissière et de la sous-noix, en 4 la pointe, en 5 la mouille, en 6 côte filet, en 7 poitrine, en 8 bardière, en 9 travers, en 10 carré, côte première plus côte seconde, 11 plat de côte, 12 palette, 13 jarret ou jambonneau avant, 14 pied avant, 15 gorge, 16 échine. Nous allons terminer la première partie du dossier 17 par un tableau de comparaison des différents morceaux des différentes espèces, c'est-à-dire du bovin adulte, du veau, du lovin et du porcin. Le jarret arrière dans le bœuf adulte, c'est le jarret arrière dans le veau ou l'ossobuco. Chez l'ovin, on appelle ça la souris. Chez le porcin, le jarret arrière ou le jambonneau. Le tente de tranche, qui est composé du dessus de tranche, de la poire, du merlan, de la fausse araignée, de la rainée, correspond à la noix de veau, correspond au gigot raccourci dans l'agneau et dans la noix de porc, où maintenant on regroupe les trois noix de porc dans jambon raccourci. La tranche, anciennement tranche grasse, c'est la noix pâtissière dans le veau, le gigot raccourci dans l'ovin, le jambon raccourci dans le porc ou la noix pâtissière. L'encens d'Égypte à la noix ou anciennement semelle, c'est la sous-noix dans le veau, ça reste le gigot raccourci dans l'agneau et c'est la sous-noix de porc ou le jambon raccourci. Le rumsteak avec aiguillette baronne dans le bœuf, c'est le casis sans aiguillette baronne dans le veau, c'est la selle d'agneau ou la pointe plus mouille chez le porcin. Le milieu de train de côte, c'est le carré couvert dans le veau, le carré de côte dans l'ovin, le carré de côte dans le porcin. La basse côte, entrecôte découverte et persillée, c'est le bas carré dans le veau ou les côtes découvertes dans l'ovin et une partie de l'échine dans le porc. Le collier plus la salière, c'est collier plus salière dans le veau, collier plus salière dans l'ovin, et la seconde partie de l'échine dans le porc. Donc le porc, l'échine, c'est la basse côte plus le collier. La saignée dans le bovin adulte, c'est la saignée de veau, c'est la saignée d'agneau, c'est la saignée de porcin. Les bavettes dans le bœuf, c'est les bavettes dans le veau, c'est les bavettes dans l'agneau restent collées au gigot, et c'est la une partie de la poitrine dans le porc. Le flancher, c'est le flancher de veau, une partie de la poitrine dans l'agneau, une partie de la poitrine dans le porc. Le milieu de poitrine, c'est une partie de la poitrine dans le veau, une partie de la poitrine dans l'agneau, c'est le plat de côte petit salé dans le porc. Le plat de côte découvert, c'est la poitrine, une partie de la poitrine dans le veau, une partie de la poitrine dans l'agneau, et c'est toujours le plat de côte dans le porc. Le plat de côte couvert et plat de côte bavette, c'est le haut de côte dans le veau, le haut de côte dans l'agneau, et c'est le travers de porc dans le porc. La jambe, le jarret avant plus la macreuse à pot-au-feu plus le jumeau à pot-au-feu,
c'est une partie de l'épaule dans le veau, une partie de l'épaule de l'agneau, c'est le jarret avant, plus le jambonneau, plus la noix d'épaule dans le porc. La palette, macreuse et jumeaux à beefsteak, paleron et dessus de palette et merlan, c'est une partie de l'épaule dans le veau, une partie de l'épaule dans l'agneau, et c'est la palette de porc. Nous allons aborder dans un prochain PowerPoint la suite du dossier 17 qui correspond à la capacité de effectuer une veille réglementaire sur l'information du consommateur. Définition, la veille informationnelle et l'ensemble des stratégies mises en place pour rester informé en y consacrant le moins de temps possible en utilisant des processus de signalement automatisés. Mais vous pouvez aussi, avant d'aborder la capacité 2, aller sur e-learning et répondre au petit questionnaire correspondant à la capacité 1, ce qui vous permet de faire une coupure et voir où vous en êtes au niveau de vos connaissances en capacité 1. Je vous dis à tout de suite.